Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. 15 jours après, Anne et Denis ont encore du mal à réaliser. Là, t'as encore une grosse branche accrochée. Il y en a d'autres là-bas, c'est dangereux. Tous les toits n'ont pas forcément été réparés non plus. Si aujourd'hui le plus gros a été dégagé, tous deux gardent en mémoire cette soirée de la fin août, au cours de laquelle un violent orage s'est abattu sur la région. Nous sommes montalbanais tous les deux. Ça fait 50 ans que nous vivons. Et même nos parents, qui sont nés ici, qui ont plus de 80 ans, n'avaient jamais vu une telle violence dans un orage. C'est plus qu'un orage, c'est une tempête, une tornade. Je crois qu'on a pu ressentir ce que pouvaient ressentir les gens sous un typhon ou une tornade. C'est vraiment quelque chose d'inouï. On a vu ces arbres qui sont plus que centenaires se soulever, déposer comme des fétus de paille. C'était quelque chose d'ahurissant et de terrifiant. Deux décès, des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité et sans doute plus de 10 millions d'euros de dégâts. Le Tarn-et-Garonne fait partie des dizaines de départements français touchés régulièrement par les catastrophes naturelles. Au total, ces 25 dernières années, elles ont fait plus de 20 000 victimes et 50 milliards d'euros de dégâts dans le pays. À l'échelle mondiale, pendant la dernière décennie, les pertes s'élèvent en moyenne à 97 000 morts et 190 milliards de dollars de dégâts par an. Parmi les catastrophes les plus importantes de ces dernières années, le typhon Haiyan aux Philippines en novembre 2013. Des vents de 315 km/h et des vagues de plus de 7 mètres de haut. Le typhon a tout détruit sur son passage, parfois des villes entières. Tapos, nung madaling araw, mga 4 o'clock, nagsimula na yung hangin na malakas, palakas ng palakas, hanggang umabot ng 10 o'clock. Tapos, yun na, lumaki na yung tubig. Tapos, inahabol kami ng mabilisan. Kaya namin sinira yung kisame. Mapunta lang kami sa bubungan. Pero kung nung signal number 4 na, kaya na kami. Nagsilikas na kami. Kami lang magpamilya. Akala namin yung pamilya na ang kapitbahay namin, naglikas na. Au total, plus de 11 millions de personnes ont été touchées, soit plus de 10% de la population. Le typhon Haiyan, mais aussi les inondations en Inde ou au Bangladesh, l'ouragan Sandy aux États-Unis, les canicules en Russie ou encore le cyclone Nargis en Birmanie. Les catastrophes naturelles d'origine météorologique se succèdent un peu partout sur la planète. Mais sont-elles liées au changement climatique et vont-elles se multiplier ou s'intensifier? Ces questions, les experts y travaillent depuis des années. Même si les projections s'avèrent difficiles, canicules et inondations devraient être plus fréquentes et plus intenses dans les prochaines décennies. Serge Planton est climatologue et responsable de l'unité de recherche climatique de Météo France. On ne peut pas attribuer en fait le changement climatique à un événement particulier. Tout ce que l'on peut dire, c'est la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on a changé la probabilité d'occurrence de cet événement, la possibilité que cet événement se produise. Et là, effectivement, il y a eu des études qui ont pu être faites sur des événements particuliers. Il devrait y avoir plus de pluie là où il pleut déjà, et plutôt moins dans les régions qui sont semi-arides. Alors les régions sèches, c'est typiquement les régions intertropicales. Dans le futur, aussi le pourtour méditerranéen. Et les régions humides, c'est plutôt les régions continentales, les moyennes latitudes, comme l'Europe, l'Eurasie, l'Amérique du Nord. Si les projections climatiques restent compliquées, en revanche, il est une évidence communément admise, les conséquences des catastrophes naturelles devraient considérablement augmenter. Une tendance déjà très nette selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Charles Beaubion y est expert en gestion des risques. Au niveau des dommages, il y a une augmentation très nette et très marquée depuis plusieurs décennies.
Ceci est dû essentiellement à l'augmentation des enjeux situés dans les zones à risque, avec l'accroissement des grandes villes, des métropoles, le développement des zones côtières. Mais au-delà de cela, les catastrophes peuvent entraîner une interruption des processus de production des entreprises, par l'interruption notamment des réseaux d'infrastructures critiques, hein, l'électricité, le transport, les télécommunications, qui irriguent et font fonctionner nos économies. Ce sont les dommages indirects. Ils sont bien plus difficiles à évaluer, mais peuvent être très conséquents et avoir des effets à long terme également. Par exemple, hein, les inondations de Prague ont entraîné la fermeture du métro pendant plus de 6 mois. Et dans une économie de plus en plus mondialisée, les conséquences d'une catastrophe naturelle dans un pays peuvent se faire ressentir à des milliers de kilomètres. Comme ça a été le cas lors des grandes inondations de Bangkok, c'était en 2011. À Bangkok, il y a de nombreuses usines automobiles et en fait, l'interruption de leur activité à cause de l'inondation a entraîné finalement une interruption de la chaîne de valeur de fabrication des automobiles et a eu des impacts jusqu'au Japon. Il a aussi eu des impacts sur le prix mondial des disques durs car Bangkok concentrait, la région de Bangkok concentrait 40% de la production mondiale de disques durs. Qui va supporter les coûts de ces dommages de plus en plus onéreux ? Les victimes, les États, les assureurs, ou bien tous ensemble? Retour à Montauban, dans le sud-ouest de la France. Pascal Standaert y est agent général d'assurance depuis 26 ans. Dès le lendemain du violent orage, il a été assailli par les demandes de ses assurés. Nous ouvrons l'agence à 8h30. Et là, déjà, le standard téléphonique explosait. D'ordinaire, nous ouvrons environ 55 dossiers sinistres en moyenne par semaine. Et donc, aujourd'hui, nous en avons ouvert 850 en pas tout à fait 2 semaines. Des clients, souvent un peu perdus dans les démarches, et découvrant au moment des sinistres le contenu exact de leur contrat. Car en France, les catastrophes naturelles ne sont pas couvertes par le système d'assurance privée, mais par une garantie à part que les assureurs doivent obligatoirement fournir à leurs clients. Cette garantie est financée par une cotisation additionnelle systématique sur tous les contrats de dommages aux biens. 12% sur les contrats multirisques habitation et 6% sur les contrats automobiles. Le même pourcentage pour chaque assuré français, quelle que soit sa région et son exposition au risque. Un principe auquel tient beaucoup Pierre Michel, le délégué général de la Fédération française des sociétés d'assurance. Le fait que le coût du risque soit étalé et réparti sur le plus grand nombre de gens garantit aux personnes, aux commerces, aux entreprises les plus exposées de trouver une couverture à un prix abordable. Donc ce principe de solidarité est vraiment au centre du régime. Autre spécificité du système français d'indemnisation des catastrophes naturelles, le partenariat public-privé. Les assurés souscrivent des contrats de dommages aux biens auprès de leurs assureurs. Ceux-ci se garantissent eux-mêmes auprès du réassureur public bénéficiant de la garantie illimitée de l'État et peuvent obtenir des couvertures complémentaires de la part des réassureurs privés. Quel que soit le montant des dommages subis, les victimes assurées sont donc remboursées rapidement par les assureurs, eux-mêmes indemnisées par leurs réassureurs. Un système qui permet de protéger les assurés, les collectivités locales, les compagnies d'assurance et l'État contre les événements extrêmes pouvant les mettre en péril. À Montauban, 15 jours après le violent orage qui a touché la ville, le bilan n'est toujours pas définitif. Mais déjà, le maire a lancé la procédure de demande de classement en état de catastrophe naturelle. Voilà le document que donc la préfecture nous a demandé de signer. Donc on a suivi évidemment les conseils de la préfecture, qui a fait ensuite un déplacement sur site le 14 septembre, qui a évidemment survolé la ville, enfin on fait tout un tas de constatations avec les services de la DDT pour préparer le dossier qui va remonter maintenant au ministère de l'Intérieur. Après la survenue d'un événement climatique exceptionnel, il revient aux maires des communes touchées de lancer la procédure. À eux de recenser les dommages survenus et de faire parvenir le dossier à la préfecture. Le préfet y ajoute les rapports techniques d'organismes scientifiques de référence et les transmet à une commission interministérielle chargée de se prononcer sur les différents cas et de décider ou non l'état de catastrophe naturelle. Un système public-privé spécifique à la France, mis en place il y a 33 ans. Mais à travers le monde, d'autres États ont opté pour d'autres régimes.
En cette fin du mois de septembre, Paris accueille le World Forum of Catastrophe Programs, la réunion d'une grande partie des acteurs mondiaux de l'indemnisation des catastrophes naturelles. Dans cette salle, quasiment autant de systèmes que d'États. Certains purement publics, comme l'Espagne et une partie de la Suisse, d'autres uniquement privés, comme la Norvège. Et quelques originalités, comme les Caraïbes, qui vont se garantir sur les marchés financiers. Ou encore le tout jeune système africain, qui doit couvrir à la fois les tempêtes tropicales de l'océan Indien et les inondations du Niger. Preuve de l'importance de la thématique, le World Forum va bientôt s'agrandir et accueillir un nouveau membre, le système britannique de flotterie, qui verra le jour officiellement en avril prochain. Un organisme à but non lucratif, co-géré par l'État et les assureurs, qui doit permettre aux foyers les moins aisés d'assurer leur maison contre les inondations. Ce que le marché privé ne permet pas actuellement. The UK insurance industry does provide flood insurance to consumers. However, increasingly, because insurers are becoming better at understanding the flood peril, prices are increasing, which is making affordability a problem for customers. Malgré les différences de système et de culture, une grande préoccupation commune, le changement climatique. In the last times, we noticed that the claim numbers was very much increased due to this climate change. Teniendo en cuenta que en España tenemos 13 tipos de climas diferentes. Entonces, el problema para nosotros es de plena actualidad, vamos. I think the real problem is trying to measure the impact and trying to deal with that impact. And I think that that many of these catastrophe pools right now are going through the process and reassessing, trying to determine how to best approach the issue of climate change and how to adapt to climate change. Anticiper pour réussir à faire face, l'un des credos de la Caisse centrale de réassurance, le membre français du World Forum. Voilà plusieurs années qu'elle développe en partenariat avec Météo France un système de modélisation particulièrement sophistiqué permettant d'évaluer le coût des catastrophes à venir. Un système qui prend en compte les évolutions en termes d'urbanisation, l'un des facteurs déterminants à l'avenir, selon David Moncoulon, l'un des concepteurs du modèle. On pense que l'augmentation principale sera due à la poursuite de l'inflation et de la construction en zone d'aléa, enfin en zone inondable, et l'augmentation des valeurs assurées dans le futur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devra prendre en compte aussi pour avoir une estimation plus complète. Ces évolutions en matière d'urbanisation sont ensuite croisées avec les projections climatiques. Avec ce modèle global, on va modéliser l'impact d'un scénario du GIEC. Par exemple, on prend le scénario 4.5 et on projette en 2050 les précipitations et la sécheresse qui sera résultant de ce scénario. Et on constate une augmentation des pertes pour l'instant en inondation, qui est de l'ordre de 10 à 20% en moyenne. Soit une augmentation du coût d'en moyenne 100 millions d'euros par an d'ici 2050 pour les crues éclairs et les submersions marines du fait du changement climatique. Une hausse qui pourrait atteindre plusieurs centaines de millions d'euros pour les années fortement sinistrées. À défaut de pouvoir agir sur le nombre d'événements climatiques, certains acteurs ont décidé de miser sur la prévention, notamment en matière de gestion des risques. Dans la banlieue de Montpellier, dans cet immeuble à l'architecture un peu particulière, voici Predict Service. Ici, une vingtaine d'ingénieurs en gestion des risques veillent sur le ciel et le sol français. Les pluies sont régulières. Météo France nous dit que ça va continuer comme ça toute la journée. Ouais. On voit qu'il y a une petite intensification. Ouais. Donc je pensais appeler le maire pour faire un point avec lui. Au total, 12 ans après sa création, plus de 20 000 collectivités locales font confiance à Predict et Alix Roumaniac, son président. Une collaboration en amont pour être prêt au bon moment. On a préparé avec les communes les actions à engager. Et donc là, en temps réel, c'est l'expertise qui se fait, quelles vont être les conséquences. Et donc, on anticipe en appelant le maire, en disant en fonction de ce qui se passe, il faut commencer à préparer la mise en sécurité de tel ou tel quartier. En fait.
Dernière évolution en date, un service pour les particuliers, cette application gratuite pour smartphone. Le particulier, lorsque dans son profil il a créé la ville où il habite, il va avoir la situation en temps réel. Donc on a là, ici, avec la dynamique sur la dernière heure des précipitations qui rentrent sur la Bretagne, avec les petites consignes qui vont bien. Une situation à risque est confirmée, mettez-vous en sécurité, ainsi que votre famille et vos biens en respectant les consignes des autorités. Quand le citoyen est informé, quand il a les bonnes consignes, la gestion globale de crise se passe beaucoup mieux. Le citoyen va adopter des bonnes attitudes, avoir les bons réflexes. Une expertise qui séduit au-delà des frontières. Predict Service travaille actuellement avec l'ONU et la Banque mondiale. À quelques dizaines de kilomètres de là, au bord du Vidourle, la ville de Sommières. Un exemple en matière de gestion de crise. Ici, la vie des 5000 habitants est rythmée par les crues. Et le quotidien s'est mis en place en prenant en compte le risque. Premier exemple qui saute aux yeux, pour discuter avec les Sommierois, il faut lever la tête. À Sommières, il n'y a que les commerçants qui sont en bas. Autrement, personne n'habite pas les rez-de-chaussée. Ça fait que ça nous choque moins, si vous voulez, parce que tous ces pays-là où c'est les maisons qui trempent parce qu'elles sont basses, et voilà. Nous, on n'a rien. Dès que l'eau monte, en fait, il y a toujours, vous voyez dans les microphones qui sont là, toujours la sonnette pour avertir tous les habitants du village. Donc du coup, à ce moment-là, tout le monde sait qu'il faut limiter les sorties, il faut rester chez soi, et si on peut faire la réserve d'eau aussi. Moi, je suis native d'ici, donc je m'affole absolument pas. Il y a qu'en 2002 qu'on a eu un peu un sacré problème parce qu'il passait par la fenêtre. Là, quand même, c'est assez impressionnant. Les grandes inondations de septembre 2002. En deux jours, plus de 300 mm d'eau s'abattent sur le département du Gard, l'équivalent de la moitié des pluies annuelles. Le bilan est très lourd. 24 morts, 419 communes sinistrées, 1,2 milliard d'euros de dégâts. Les sauveteurs sont intervenus des centaines de fois pour élitreuiller des personnes prises au piège dans leur maison. 13 ans plus tard, Sommières en a tiré les conclusions. Avec un système d'information à la population particulièrement complet. Pour le déclenchement de l'alerte, on a une sirène qui est très puissante, qui est sur le clocheton de la mairie. Et ça, vous savez, tout le monde connaît la sirène. Quand ils entendent la sirène, inutile de vous dire que ça y est, cette fois, on sait que c'est là qu'il faut évacuer les parkings. Mais au-delà de l'information des habitants, c'est aussi sur l'adaptation des infrastructures que Sommières a travaillé. L'enduit à la chaux encouragé pour protéger les bas des façades, des portes ajourées pour laisser l'eau entrer et sortir sans tout détruire, des coffrets électriques démontables qui peuvent être facilement mis à l'abri. Ici, même les parcs-mètres sont protégés. Lorsqu'on sait que ça montera, les employés municipaux viennent et démontent les parcs-mètres. On n'en a pas beaucoup, mais ils les démontent. Et puis, après la crue, quand c'est nettoyé, on remet. Voilà, il y a un moment pour tout. Mais il ne faut rien louper. Une organisation sans faille qui a valu à Sommières en 2012 une reconnaissance de l'ONU, le label de ville modèle en matière de résilience face aux inondations. La résilience, un art de vivre à Sommières. On est assez sereine, au fond, hein. Mais c'est comme ça, sinon il ne faut pas vivre ici, quoi. La résilience, réussir à se reconstruire après une catastrophe et s'adapter aux risques. C'est l'unique solution pour l'avenir, selon Michael Mullan, responsable du service adaptation au changement climatique de l'OCDE. Natural disasters have happened before, they'll continue to happen in the future. However, even if the disasters are inevitable, the consequences are not. The aim is not to reduce the risks to zero, because this is impossible, but rather it is to agree on what's an acceptable level of risk and put in place measures. And it can be education, it can be training, it can be disaster preparation to reduce those risks and also to put in place measures to address the consequences of disasters when they occur. Particularly important here is instruments such as insurance. New York est justement en train de tirer les conséquences du passage de l'ouragan Sandy. 3 ans après la catastrophe, la municipalité a fait ses projections. En 2050, 25% du territoire sera en zone inondable, soit 800 000 habitants, et 97% des centrales électriques.
Alors que Sandy a causé 19 milliards de dollars de dégâts en 2012, une tempête similaire pourrait coûter près de 5 fois plus cher, 90 milliards de dollars. Pour protéger ses citoyens et ses infrastructures, la municipalité a envisagé toutes sortes de mesures, parfois radicales. The state government is compensating householders to move to lower risk areas. But relocation is expensive and it's disruptive. Pas de déplacement de population finalement, mais à la place digues, murs anti-inondations, systèmes de dunes pour protéger les littoraux ou encore prêts et subventions pour inciter particuliers et entreprises à adapter leurs biens. Au-delà de New York, c'est le monde entier qui est concerné par la montée des eaux et le changement climatique. Les Maldives, la Thaïlande, le Bangladesh ou encore les Pays-Bas, on estime qu'un tiers de la planète aura les pieds dans l'eau d'ici 50 ans. Les Vénitiens en font déjà l'expérience. En un siècle, le niveau de la mer s'est accru de 25 cm et les redoutés acque alte, marées exceptionnelles, le sont de moins en moins. Alors, depuis près de 13 ans, Venise travaille activement à la création de MOIS, un gigantesque système de protection de 1600 mètres de long, articulé en 78 digues. Un projet particulièrement sophistiqué, dont les secrets se cachent dans une galerie sous-marine, à 13 mètres sous la lagune. Ce vérin est relié à un caisson et il le pousse pour le soulever comme ça. Dans les sous-sols, 21 vérins à air comprimé sont capables de soulever ces caissons de protection en cas d'alerte donnée en surface par une vigie présente 24 heures sur 24. Il nous suffira de 2 heures pour soulever la barrière et bloquer l'avancée de l'eau. Un projet de plus de 5,5 milliards d'euros qui devrait être achevé en 2016. De quoi permettre à la cité vénitienne de garder les pieds au sec pendant une centaine d'années. Des digues donc pour faire barrage à l'eau à Venise. Mais ailleurs, certains ont fait d'autres choix, celui de l'absorber par exemple. Ici, dans ce quartier londonien, on a misé sur les maisons éponges. Épaisse végétation sur les toits, réservoirs d'eau sous la terrasse ultra-absorbante. Des dizaines de mètres cubes d'eau peuvent être évacués en quelques heures. Nos voisins nous ont dit que leur jardin était marécageux, gorgé d'eau. Ils ne pouvaient pas s'aventurer dehors. Alors que nous, les pluies ne nous ont pas du tout affectés. C'était rassurant de savoir que nous étions à l'abri sur notre propriété. Aux Pays-Bas, un tiers du territoire se trouve sous le niveau de la mer. Ici, pas question de tenter d'absorber l'eau, on a plutôt décidé de flotter. Des quartiers entiers ont vu le jour ces dernières années. Pouvoir s'élever en cas d'inondation et redescendre sur la terre ferme une fois l'eau retirée, en France aussi, on y réfléchit sérieusement. L'idée a germé dans l'esprit de Frédéric de Chérancé, un jour, devant sa télévision. Au cours de l'année 2001, où il y avait eu des grandes inondations dans la baie de Somme, du côté d'Abbeville. Et pendant plus de 3 semaines, les gens ont eu de l'eau chez eux. Et je voyais au journal télévisé les gens qui mettaient des parpaings chez eux pour rehausser les meubles. Et en regardant cette image de rehausser les meubles, je me suis dit, pourquoi rehausser que les meubles? Est-ce que ça ne serait pas mieux de rehausser la maison? Et à partir de cette idée, j'ai planché pour savoir comment on pouvait faire que la maison se rehausse au moment d'une inondation. 14 ans plus tard, il se balade aujourd'hui sur son prototype amphibie dans la banlieue de Pau. Un bâtiment de plusieurs étages, un parking et même un morceau de route, le tout construit sur des flotteurs. Ici, on voit un module de caisson qui est assemblable à d'autres, semblables à celui-là. Et c'est ce qui va nous permettre de créer de grandes plateformes sur lesquelles on va pouvoir édifier un bâtiment ou des bâtiments. En l'absence d'inondation, le caisson repose directement sur le sol. Mais lorsque l'eau arrive, lui et tout ce qu'il supporte s'élèvent au fur et à mesure. Pas de risque de dérive. Tout est solidement amarré à des colonnes fixes. Un ensemble à Pau, un clubhouse à Chantilly ou encore une maison sur la Tamise à Londres. Frédéric a déjà mis en pratique son concept, mais maintenant, il rêve de plus grand. Cette technologie permet de pouvoir construire des villes complètes, puisqu'on peut à la fois faire des parkings, des espaces de voirie. Donc effectivement, on peut construire des villes entières, avec des bâtiments même plus hauts que celui-ci. Tout est réalisable aujourd'hui avec cette technologie.
Construire des villes sur l'eau, voire même sous l'eau, comme l'envisage la société japonaise Shimizu. Une cité sous-marine baptisée Ocean Spiral, capable d'accueillir 5000 résidents permanents qui, selon les concepteurs, pourraient voir le jour à l'horizon 2030. De tels extrêmes seront-ils réellement nécessaires? Une chose est sûre, avant d'en arriver là, il est encore possible d'agir et de s'adapter. Alors, soyons prêts. The aim is not to reduce the risks to zero, because this is impossible, but rather it is to agree on what's an acceptable level of risk and put in place measures. Alors, on n'empêche pas l'eau de tomber, on n'empêche pas l'eau de déborder. Donc, même si la sensation est très brutale et rapide de l'événement, on sait qu'on peut anticiper. Climate adaptation funding. On les medidas de adaptación. Puisqu'on a des choses à reconstruire, je crois qu'il faut se poser la question aujourd'hui, pour demain.